Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'architecture hexagonale. Alors c'est tout le monde, on en a entendu parler peut-être une fois ou deux, c'est un peu un mythe. Pour moi, ça a été une Arlésienne pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je me force à le mettre en place. Et on va dire pour introduction, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Donc je l'ai déjà mis en place chez un client, il y a un représentant ici, mais je tairai le nom, hein, ne sachant pas ce que je peux dire. Et il y aura quelques petites anecdotes relativement à ce client, mais que je garde de façon anonyme. Il se présentera s'il le souhaite. Alors, qui suis-je? Bah moi, j'ai monté une petite société, je suis devenu indépendant et ma société, c'est EYT. Oh, petite information, EY, ça signifie paix, sérénité. Hein. Mon but, c'est de ramener la paix et la sérénité dans les organisations IT. C'est beau, hein? Je sais pas, qu'importe la prononciation, hein. Ah ouais, alors c'est oui, c'est les mêmes idéogrammes, on va dire. Alors, qui suis-je? Un beau gosse avec un sourire fulgurant, hein, CEO, CTO. Vous avez ici l'ensemble des informations au cas où vous avez besoin de me contacter. Hein. Donc, de toute manière, vous les aurez dans les slides. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, nous pouvons aller au vif du sujet, l'architecture hexagonale. Alors, quels en sont les buts? Ah, quels en sont le but? Bah, le but principal, c'est de faire une séparation, hein, entre le code métier et le code technique. Un vaste sujet. C'est qui? Merci. Ah, ça arrive. J'espère que ta machine va au moins tenir pour l'atelier. Hein. Donc, je répète, le but c'est principal, c'est de faire une séparation entre le code métier et le code technique. Ça pourra parler à certaines personnes. Petite notion de DDD, nous y reviendrons. Alors, on a des sous-goals. Alors, j'ai parlé de DDD, hein, j'ai parlé d'ESL. C'est déjà de définir une DSL, Domain Specific Language. En fait, c'est le langage qui est propre à votre application, à votre contexte, métier, ce genre de choses. Le deuxième goal, tadam, hein, c'est de pouvoir switcher facilement entre technologies. Alors ça, c'est un bien grand mot, hein. Je ne vais pas revenir sur la présentation qu'a fait Alistair Cockburn il n'y a pas longtemps sur Paris, hein, mais vous verrez dans les références que je mets, hein, il explique pourquoi il a réfléchi à cette architecture et c'était justement l'un de ses buts. C'est qu'il voulait pouvoir changer très très facilement d'implémentation technique sans avoir besoin de changer quoi que ce soit au niveau du code métier. Et franchement, merci Alistair. Total respect. Alors, ça marche, je tiens à le préciser. Alors, quels sont les composants de l'architecture hexagonale? Alors, tout d'abord, un hexagone, hein, ça paraît logique, ça porte assez bien son nom, hein, dans lequel vous avez votre DSL, votre code métier. Donc, ce que je conseille, en règle générale, quand vous faites votre DSL, c'est d'essayer d'inclure l'ensemble des acteurs d'un projet, le métier, les devs et aussi les QA. Il ne faut pas les oublier, hein, Les trois amigos avaient raison d'être et franchement, ça vous permet d'avancer énormément. Je reviendrai plus sur la fin, sur des petites expériences, des petites anecdotes par rapport aux fameux clients, mais le fait de dialoguer avec le métier, ça fait avancer le projet énormément. Si on vous empêche d'aller voir le métier, hein, n'hésitez pas à casser les murs pour aller leur parler. C'est là où vous apprendrez vraiment le métier et vous pourrez vraiment déterminer votre DSL. Alors, si je vous présente... J'ai oublié de vous dire, hein, je présenterai quand même des petits bouts de code, des éléments techniques. J'espère qu'on le voit bien. Sinon, tant pis, on fermera peut-être la lumière. Ça serait peut-être pas mal en fait. La lumière là-bas? Donc en fait, je vais alterner entre la théorie et l'implémentation dans un projet. Donc là, vous avez un projet Tripwiz que vous pouvez télécharger, hein, dans lequel en fait vous avez, c'est un projet Maven, ce qui est plus classique, et vous avez dans ce projet différents modules. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Le domaine. Alors, je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. Hein. Bon, vous donnez votre langouchage pareil. Hein. Eh bien, c'est simple. Dedans, vous avez les composants métiers, c'est-à-dire votre DSL. Vous allez retrouver par exemple ici un trip, bon, un voyage ou autre. Je pense que ça parle assez relativement métier. Un travel pricer. Bon, pour ceux qui font de la finance, vous devez savoir ce que c'est qu'un pricer. Ça vous permet de déterminer un prix. C'était pas très original, mais ça y correspond bien. Vous avez une destination. Incroyable, je pense que je parle bien au niveau métier. Pourquoi? Parce que ici, le but de cette application, c'est de déterminer le prix d'un voyage. Oui, donc pourquoi Tripfees? J'ai pas été très très original. Ensuite, ici, vous allez voir d'autres éléments qui vont être présentés dans les slides suivants.
On va parler de la notion de port. Alors, qu'est-ce qu'un port? En fait, un port, c'est un moyen d'exprimer une intention. Dans le cas de notre projet, je vais parler technique, alors je me tape déjà dessus parce que le but, c'est pas parler technique. En Java, un port, ça va être une interface. Ça peut être autre chose. Le plus important, ça n'est pas de penser que c'est une interface. Le plus important, c'est de penser que ça représente une intention. Donc, je le mets en anglais ici, storing. C'est par exemple pour pouvoir récupérer une donnée, pour pouvoir transmettre une information. Ce genre de choses. Vous voyez vraiment l'intention, hein. Ne pensez pas à simplement interface ou autre. C'est tout ce que je vous demande. Pensez métier. Alors, comment ça peut se représenter? Ici, nous avons un trip repository port. Alors, je n'ai pas été très, très original. Vous me voyez navré d'avoir laissé le port. C'était pour que ce soit beaucoup plus parlant pour vous. Sinon, ce genre de choses n'apparaîtrait pas au niveau de mon code. C'est volontaire, c'est pour que vous fassiez comment dire, le distinguo entre ce qui est un port, c'est-à-dire l'intention, ce qui est un adapteur, qui va être l'implémentation de cette intention et que nous verrons par la suite. Donc ici, mon but, c'est de définir l'intention. Et mon intention, c'est quoi? C'est de trouver un voyage par rapport à une destination. Vous allez voir, tout va se mettre en place beaucoup plus facilement par la suite. Perso, si vous trouvez que je vais trop vite, vous me le dites aussi, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est clair ou pas? On se connaisse un peu. Next. Donc, une fois que ceci est fait, on a parlé de l'hexagone, on a parlé des ports, maintenant on va parler de l'adapteur. Donc, vous avez un port qui définit une intention, hein, mais ce qui serait quand même assez sympa, c'est d'avoir quelque chose de plus concret, quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans le détail. C'est dans l'adapteur que vous le trouverez. Alors, juste avant de vous présenter cette représentation sous la forme de code et ce que c'est, il ne faut pas oublier une chose, et c'est très très important, c'est que le domaine est égoïste. Et quand je dis égoïste, il ne parle que son langage. Il ne parlera jamais un langage technique, il ne parlera que le langage du métier. Vous ne verrez pas des choses obscures avec du database ou autre dedans, vous ne verrez que des termes métier. Et nous passons à un peu de technique, parce que j'ai dit que j'alterne. Donc, si vous regardez ici, vous avez le mot, j'ai honte, mais j'avais pas le choix. Trip repository port, ça doit vous rappeler quelque chose. Mock adapteur. Bon, bah, désolé, hein, j'ai fait un hommage, on va dire, assez conséquent. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté cette interface-là, ici. Et en fait, pour pouvoir récupérer en fonction du nom de la destination, les informations qui sont propres au voyage, c'est-à-dire les frais d'agence. Hein, et les frais du voyage en lui-même. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, et là on le voit, c'est que j'implémente mon port. Ça fera beaucoup plus de sens quand vous pratiquerez, je vous rassure. C'est pas un truc de ouf. Hein. C'est de l'inversion de dépendance et ça nous en parlerons après. Maintenant, concrètement, quelle tête ça peut avoir si on voulait une représentation un peu plus conceptuelle ou autre dans l'espace? Bah ça, cette tête-là. Ici, j'ai mon code métier. Jusque là, ça va. Ici, j'ai les ports, donc des interfaces. Et en fait, ces ports représentent une intention. Cette intention, c'est par exemple, j'ai besoin de récupérer une information. Pour récupérer l'information, bah, des fois, je peux aller la récupérer dans une base de données. Et pour pouvoir taper dans cette base de données, je vais faire un petit bout de code technique qui se trouve ici, qui est dans l'adapteur, et qui va me permettre de communiquer avec la base de données. Je pense que vous avez tous fait du JDBC template, du JPA, je sais, c'est pas bien. Ce genre de choses. Et en fait, c'est dedans que vous trouverez ça. Vous aurez vraiment que du code technique dedans. Et vous transmettrez, grâce à la signature définie au niveau de l'interface, un objet métier au domaine pour du traitement. C'est clair? Pas de réponse, j'ai peur. Hop là. Donc, ce que vous voyez, c'est mon domaine et tout ce qui est autour du domaine, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure. Alors, vous avez une infrastructure à gauche, en règle générale, par convention, c'est ce qui pilote votre métier, votre domaine, c'est lui qui a besoin de le consommer. Ce que vous avez à droite, c'est ce qui permet de vous alimenter. Pense que c'est clair aussi ici. Next. Alors là, c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai pas envie de rentrer plus là-dedans, j'ai pas envie de parler de recipient ou autre parce que j'en ai pas encore utilisé. Hein. On va parler de repository, ce qui vous alimente, et les drivers, ce que vous vous alimentez. Donc vous avez l'acteur principal et le secondary actor.
Je vous enverrai plutôt sur les présentations qui ont été faites par Alistair Cockburn à ce sujet-là pour pousser plus. Le but ici, c'est plus de faire un atelier pour que vous habituiez à ça et ensuite tu vas rentrer plus dans du détail. C'est ça qui sera vraiment intéressant pour vous. Jusque-là, tout a été clair ou pas? Allez, oui? 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 Plutôt dans l'adapteur pour moi. C'est, tu vas définir une intention, mon find my destination. En fait, je définis une intention au niveau de mon port, mais l'implémentation de ces opérations CRUD, vraiment pour par exemple récupérer tout en base, ça sera dans l'adapteur. Vous aurez du code là-dessus, je vous rassure, vous verrez tout ça tout à l'heure. Bon, maintenant on a parlé, on va rentrer un peu plus dans les bénéfices de l'architecture hexagonale. Alors, le premier. C'est pas HNF concern. J'ai du mal à le dire en français, alors je le sors en anglais, ça fait plus classe, puis de toute manière, j'ai du mal à le dire. Le but, c'est quoi? C'est d'éviter, dans un premier temps, de mélanger au maximum du code technique et du code métier. Vous avez peut-être l'habitude du code spaghetti, où vous avez du code métier mélangé à du code technique. Est-ce que ici, quelqu'un n'a jamais vu ce type de code? Honnêtement. Non. Il y a un menteur là-bas. Bon, cet homme ment, vous l'aurez compris. Enfin, j'en ai vu, j'en ai mélangé ou autre. Depuis des années, malheureusement, enfin, c'est triste quoi. Et c'est dommage, on est arrivé là. Donc, le but de faire ça, c'est vraiment déjà d'éviter ça. Vous avez une vraie séparation. Le deuxième point, c'est que ça va vous faciliter énormément la veille technologique. Alors, pourquoi ça va vous faciliter la veille technologique? Vous avez défini une interface par rapport à votre métier. Le plus important pour vous, c'est votre domaine. Donc, à partir du moment où votre domaine ne bouge pas, vous êtes tranquille, vous savez que votre métier va bien réagir. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est changer les parts techniques, donc la part de veille technologique qui se trouve dans les adapteurs. Oui, c'est peut-être un peu vite. Ça sera plus simple sur un autre schéma, je vous rassure. Donc, n'oubliez pas le point séparation du code technique du code métier pour éviter du code spaghetti et se faciliter la veille technologique. Deuxième bénéfice. Ah non, pardon, j'oubliais. Parfois, je dis bien parfois, il arrive d'avoir un peu de code technique dans le domaine. Alors je sais, c'est pas bien. Bah là, ça va vous arriver ce soir, donc je peux encore me taper une seconde fois. Vous allez avoir une belle annotation add service dans le domaine. Donc voilà, ça arrive, c'est pas trop trop mortel. Donc je le dis, je le répète, soyez pragmatique et pas dogmatique. Vous fermez pas non plus à l'architecture hexagonale et à l'utilisation de certains outils parce que vous avez un tout petit peu de technique dans le domaine. Ça peut arriver. C'est pratique parfois. Ensuite, les bénéfices, c'est d'être domaine centrique. On a parlé tout à l'heure, la DSL, enfin, pas ce qui fournit Internet, hein, mais un DSL, du DDD, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment super bien. Ensuite, on va aussi parler du testing first. Alors, ça vous le facilite énormément. En fait, si vous partez sur l'architecture hexagonale et que vous utilisez, désolé, mais les bons frameworks in Mockito, en fait, vous allez pouvoir commencer à développer votre métier sans même avoir besoin d'avoir une infrastructure de présente. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, je parle de mon expérience comme si j'étais un vieux, je suis jeune, enfin, du moins, j'espère le croire. Où, en fait, j'ai dû commencer un projet sans avoir de base de données parce qu'on ne savait pas si on allait partir sur de l'Oracle ou du Postgre. C'est peut-être arrivé à d'autres personnes ici, je ne sais pas. Hein. En fait, et comment faire dans ces cas-là? Bah, si vous faites l'architecture hexagonale, vous commencez par votre domaine et juste votre domaine, vous faites votre code métier, et en fait, ce qui doit être amené par la base de données, vous allez le moquer. Et ça va vous permettre ben, de ne pas vous tourner les pouces en attendant que des choix techniques soient faits pour d'obscures raisons financières ou autres. Alors, bon, ça je l'ai dit. Maintenant, on va essayer d'en avoir une représentation un tout petit peu plus concrète. Enfin, si on peut le dire. Tout à l'heure, je vous disais que je pouvais changer très très facilement de technologie. Alors, j'ai un client, formidable ce client, on l'a mis en place. Et chez ce client, on a commencé par faire du Cassandra. Et en fait, on utilisait du Cassandra qui est du NoSQL comme une base de données relationnelle. Ah, il y en a qui ont compris. Et franchement, ça fait très très mal. Vous imaginez, je fais une première requête, ça m'envoie un résultat. Je parse les éléments de ma deuxième requête pour pouvoir récupérer les éléments d'une autre table. Pas top. Et donc, à un moment, ben, ils ont décidé de changer et de passer à une base de données Oracle. En théorie, hein.
Peut-être du Postgres, je ne sais pas. Je demanderai à mon contact chez le client qui y est encore. Je n'ai pas pu voir ça, mais ça a été décidé quand je suis parti. Et donc voilà. Donc le simple fait d'avoir défini une interface qui vous permet de dialoguer, enfin qui permet aux adapteurs de dialoguer avec vous. Vous savez toujours ce que vous attendez, c'est vous qui avez défini le contrat. Formidable. Ce qui fait que vous dialoguez avec une base de données Oracle ou avec une Mongo, pour vous, c'est rien. Le métier resterait identique. Donc il n'y aura pas de changement au niveau de vos traitements métiers. L'important, c'est le métier, c'est pas la technique. On est en phase? Alors comment on va mettre ça en place? Alors là-dessus, attention, la pierre angulaire, l'inversion de dépendance, le dé de solide. Je pense que vous connaissez tous, hein. Pour résumer, en fait, c'est que vos composants de haut niveau ne vont pas dépendre des composants de bas niveau. Ce sont vos composants de haut niveau qui vont dire aux composants de bas niveau comment se comporter. Grosso modo, vous n'allez pas attendre que, par exemple, du Spring Data vous dise comment dialoguer avec, par du crude, avec votre métier. C'est votre métier qui définit son contrat via le port. Vous avez défini l'intention, donc vous êtes tranquille. C'est vraiment l'inversion de dépendance qui est la pierre angulaire derrière tout ça. J'espère que j'en perds pas trop. Alors, l'inversion de dépendance, elle va se traduire comment? Vous définissez dans le domaine votre port, hein, et ensuite, dans votre adapteur, vous allez avoir une classe qui va étendre votre interface pour pouvoir correspondre au contrat de votre port, hein, et l'implémenter. J'ai fait un truc de ouf. Tada! Ensuite, l'injection de dépendance. Je pense que pour la plupart, vous connaissez Spring. Vous savez ce que c'est qu'un conteneur qui va pouvoir mettre en relation deux objets, l'un qui est proposé en tant que service, l'autre qui est consommateur. Et ben, c'est ce que j'ai mis en place ici. Donc, vous avez plusieurs moyens de toute manière de mettre en place l'architecture hexagonale, mais moi, j'ai fait très simple, j'ai fait ça. Donc, comment ça se traduit? Dans le projet que je vous ai fait, j'ai fait une injection par constructeur. Donc, j'ai pas besoin d'annotation parce que les dernières versions de Spring le permettent. C'est pas la partie la plus intéressante. Vraiment, le plus intéressant pour vous, c'est l'inversion de dépendance. Ensuite, c'est juste du bon sens. Ça peut paraître assez incroyable, mais vraiment, il faut faire le distinguo entre ce qui est métier de ce qui est technique. Je me répète, mais il y a une raison pour ça. C'est en fait, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, à la mise en place de l'architecture hexagonale. J'ai intégré une équipe qui avait commencé à la mettre en place, mais quand on ne comprenait pas l'intérêt. Et je me suis retrouvé dans le domaine avec des objets qui étaient à la fois techniques et métiers. Et ça a été très très problématique parce qu'il a fallu sortir cette partie technique pour la remettre dans les adapteurs pour vraiment s'adapter à des objets métiers que nous avions définis avec les billets. Alors, vous allez voir, c'est génial, on en est à la conclusion. C'est passé assez rapidement. Après, j'aime. On va revoir les différents points. L'architecture hexagonale, en fait. C'est à peu près ça. Vous avez votre domaine, vous avez des ports, et tout autour, vous avez votre infrastructure qui est composée d'adapteurs qui vont vous permettre de communiquer avec l'infra concrète. Le but, et je le répète, c'est de séparer le domaine de l'infrastructure. Vraiment, point important. C'est d'inclure, si possible, tous les membres d'une équipe, métier, dev, QA, à la réalisation de la DSL. N'oubliez pas, le domaine est égoïste, il ne parle que son langage, il ne doit absolument pas parler un autre langage que le sien. Moi, j'aime bien cette phrase, elle est de moi, donc soyez pragmatique, pas dogmatique. Vraiment. C'est si vous avez un tout petit peu de technique dans votre métier, c'est rien si ça vous permet de gagner énormément de temps. Et tant que c'est bien documenté verbalement, ou enfin, documenté verbalement, j'aime bien living documentation, c'est si vous l'exprimez bien vis-à-vis de vos collègues. Ils arrivent à comprendre le pourquoi du comment, il n'y a pas de souci. Alors, je le répète, toujours dans le bon sens, ne créez surtout pas des objets qui mixent du domaine et de l'infra. Vous allez voir, c'est ce qui va vous tuer en fait votre implémentation. Et en fait, pour finir, c'est vrai, ça a été mis en place. Donc, je ne peux pas vous dire chez qui, mais ça a été mis en place chez un grand compte de la banque. Qui est pas tout petit petit, hein. Ça marche très bien et on a eu de très très bons résultats.
Au début, moyen parce que ça avait été pas très très bien compris. Une fois qu'on s'est remis dans la bonne direction, on a avancé énormément et tout le monde était satisfait de la qualité de ce qui était livré. Bon, et ben voilà, maintenant c'est à vous de jouer près, quasiment. Là, vous avez des références. Donc surtout relative à Lester Cockburn, mais c'est normal vu que c'est lui qui a fait, enfin qui l'a designé au tout début. Maintenant, on va passer à la série des questions-réponses. J'espère ne pas avoir été trop assommant. Et j'attends vos questions si vous en avez. Pardon? Le modèle métier. Dans le domaine. Alors, on pense à JPA, quelque chose comme ça? Je sais pas. Pardon? En fait, tu as plusieurs manières de faire. Voilà. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Il y a deux manières de faire par rapport à si jamais tu veux passer à de la notation directement dans tes classes ou autre. Moi, j'aurai ma classe qui se trouve dans le domaine. Et ensuite, ça se trouve, certains hurleront peut-être, mais pas moi. Je clone cette classe et je mets les annotations dans le domaine. Pourquoi? Parce que bon, JPA, Hibernate, c'est bien. Il y en a beaucoup qui reviennent. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis revenu. J'utilise du SpringJDBC template. J'utilise du comment ça s'appelle? C'est bon, ça dû à MyBatis, ce genre de choses. Et je n'ai pas ces problèmes-là. C'est-à-dire que comme vous linkez énormément d'annotations à votre entité ou autre, vous vous dites, c'est dommage de devoir la dupliquer. Hein. Par contre, le jour où vous souhaitez changer, vous pouvez jeter l'eau du bain avec le bébé sans problème. Il y a des manières de faire. Tu peux aussi passer par du XML. Tu peux garder ton domaine. Peut-être mettre un XML côté infrastructure qui va te dire en fait que ta table va être mappée de telle manière avec ton objet du domaine. Ça peut se faire aussi. Hein. Après, tout est possible. Moi, ce que je vous ai mis en place dans le projet, c'est une base de données en simple Postgre. Et je prends du JDBC template, ce qui fait que mon domaine reste pur, vraiment mes objets. Et ensuite, je fais des requêtes, tout ce qu'il y a de plus simple, qui sont mappés via Remapper directement dans un objet, dans l'adapteur, et c'est renvoyé au domaine. Ça répond à la question? Autre question? Putain, franchement, j'ai dû trop trop bien m'exprimer, quoi. Une seule question. Hein. Les services CRUD, Tu les aimes, toi? Dans l'adaptateur, Hmm? les opérations qui vont se faire sur un modèle qui serait dans le domaine, est-ce que l'on va dupliquer des conventions de nommage concernant justement les actions, comme par exemple les queries, les create, etc. Est-ce qu'on va dupliquer ces conventions-là dans le domaine et dans l'adaptateur? Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai juste mis une intention dans mon interface. Je ne sais pas si vous en souvenez. Hein. Est-ce que tu te souviens, j'ai parlé d'un port. Hein. Et dans le port, j'avais dit find trip by destination. Donc ça, c'est vraiment l'interface dans le port. Et après, j'ai m'amusé à implémenter, je m'amuse beaucoup, hein, à implémenter dans un adaptateur, hein, cette méthode-là. C'est tout. Donc après, tes conventions, c'est toi qui les vois, hein, mais essaie de définir quelque chose de métier, quelque chose qui correspond. Hein. De C'est faire clair? métier dans le port et puis plutôt des opérations techniques dans l'adapteur. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bon, d'autres questions? Oui? C'est du troll, hein, mais c'est quoi la différence avec l'architecture en plus? C'est qu'on disait il y a à peu près 10 ans que c'était cool de mettre des interfaces par clic. Ah oui, alors bon, on est passé d'un plat de spaghetti à de la lasagne et de la lasagne à des macaronis, on va dire. Bon, j'exagère en disant ça, mais on n'est pas loin. Pardon? Module à la son dépendance sont des plateformes. J'ai connu des projets. On mettait des interfaces partout, on avait une couche d'application qui tapait sur des interfaces, une couche service, qui retapait sur l'interface, une couche. T'as jamais fait juste une interface pour une méthode et pour une classe? Ah. Voilà, bienvenue. Mais tu sais, avec Java 8, tu sais, t'as les functional interface, si je dis pas de bêtises, les SAM, c'est plus ou moins pareil, ça te permet de faire des choses. Maintenant, si je reviens à ta question originale, c'est quelle est la différence entre la couche et autres? C'est là, avant, on avait ce qu'on appelait du monolithe. Microlithe pour certains qui essayent de faire du microservice dans du monolithe. Mais là, d'un côté, j'ai mon domaine et d'un autre côté, je vais avoir ma couche qui va se trouver dans l'adapteur. C'est la partie DAO. Ben, en fait, c'est une partie technique. Tout ce qui va être plus ou moins service, c'est-à-dire traitement métier, je vais le laisser dans le domaine. Et en fait, c'est juste une séparation de concern
où je vais juste le métier d'un côté, service et autres, et repository dans l'adapteur, si je m'adapte plus ou moins à ce que tu dis, si je comprends bien ta question aussi. Claire, pas claire? Non, non. Tout à fait, hein. Mais là en fait, je suis d'accord, mais moi si j'ai envie par exemple d'avoir plusieurs modules qui vont correspondre à mon adapteur, je suis assez tranquille, je ne serais pas obligé de l'avoir dans un gros monolithe collé à mon domaine. Hein. Claire, pas claire? Ça doit être le vin qui parle là. Non, on va essayer d'en reparler si j'ai pas été suffisamment clair. Mais là, j'aimerais plus que vous le voyez comme une possibilité aussi de vous faciliter la tâche dans des architectures microservices. Vous définissez un domaine, une DSL, un bounded context, c'est-à-dire le fait de pouvoir répondre à un besoin métier. Tu regroupes pas tout ensemble, tu fais plusieurs bounded context, ils vont pouvoir communiquer ensemble. Non? Je l'aime bien quand même celle-là, c'est vrai. J'essaierai de discuter un peu plus avec toi là-dessus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Si c'est pas clair ou si ce sujet-là vous intéresse plus, je reviendrai dessus. Hein. On va de toute manière voir ça avec du code, ça sera quand même beaucoup plus parlant. Hein. Oui? Pour moi, l'avantage de par rapport à un système en couche, c'est vraiment qu'on s'oblige à avoir des dépendances. Quoi. C'est vraiment la dépendance au module qui empêche en fait les erreurs, la tentation. Moi, pour donner mon avis, c'est que c'est vraiment sympa, on commence à avoir plusieurs hexagones. Mais tout à fait, et les hexagones peuvent communiquer entre eux. Parce qu'en fait, on peut isoler les bornes, on peut faire des comptes de bornes vraiment isolées. Oui. Au-delà de la séparation technique fonctionnelle, oui, mais les domaines se liquent dans un autre. Nous sommes bien d'accord. Il y avait une question derrière, oui? Oui. Vous aviez dit tout à l'heure en fait que les ports ne sont pas obligatoirement des interfaces. Oui. Je me rappelle de ce que j'ai dit. Hein. Oui. En fait, dire qu'un port c'est une interface, c'est un peu une aberration. C'est juste limité à ça. Mais en fait, tu as d'autres moyens de communiquer qui ne sont pas que des interfaces. Tu peux aussi avoir des messages. Hein. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai envie. Imaginons que tu communiques par un bus de messagerie. Juste comme ça. Et que bon, ben. Dans ta partie métier, en fait, tu vas générer un message que tu vas envoyer. Ben, ton message, il va falloir qu'il soit compris par ton adapteur. Donc, en fait, ce message, ce serait une intention que tu enverras à ton adapteur sous cette forme-là. Je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est ce que j'imagine, en tout cas, de mon côté. Hein. Maintenant, comme je suis en Java et que j'utilise les outils qui sont à ma disposition, ici, mon port est une interface. Mais ne vous limitez pas à ça. Hein. Ça répond à la question ou pas? C'était clair? Cool. Oui? Est-ce que dans les hexagones, la partie extérieure qui est infrastructure, est-ce qu'elle peut communiquer avec l'intérieur du modèle ou est-ce que c'est les genres de couches où elles doivent justement se limiter en fait? La seule communication qui peut y avoir entre l'adapteur et le modèle, c'est le langage métier. Si jamais il y avait communication, ça ne pourrait se faire que comme ça. Et tu n'auras jamais une modification du modèle qui sera possible au niveau de l'adapteur. C'est pas possible d'un point de vue structurel, parce que tu imposes à ton adapteur de parler le langage de ton domaine. Sinon, en fait, tu fais plus d'architecture hexagonale. Claire? D'autres questions? L'architecture hexagonale, est-ce qu'on peut l'adapter à différents design patterns côté infrastructure? Est-ce qu'on peut changer de MVC vers un autre design en conservant la partie, le côté domaine? C'est une bonne question, tiens. Bon, enfin, je sais pas ce que tu peux utiliser. En fait, t'es déjà dans un design pattern qui est tel que... enfin, design pattern. Déjà dans un design. Après, ce que tu vas faire dans ton adapteur ou autre, c'est toi qui vois ça. Moi, par exemple, sur du MVC, enfin, je sais pas, j'ai une application, qui est du REST. Désolé, hein. J'ai un contrôleur dedans, ce contrôleur va appeler via un port mon domaine pour lui faire une demande. C'est la partie driver de tout à l'heure, ça se limite à ça quoi. Après, ce que vous faites à l'intérieur, les autres design patterns que tu pourrais utiliser, c'est à ton bon vouloir quoi. Donc le contrôleur, lui, il reste côté technique, côté infrastructure. Pour moi, il reste côté infrastructure. Je vois, j'ai pas envie de parler métier, je peux faire un appel au métier dedans,
mais je ne parlerai pas métier directement dedans. C'est mon domaine. C'est clair? Pour moi, oui. Je verrai comme ça. Par exemple, je me fais une factory de pizza. Bon, hormis si c'est mon métier, c'est-à-dire tu as une fabrique de pizza et qu'elle peut me la donner. Hein. Ben, si ce n'est pas le cas, je le mettrai dans le technique. Sinon, ce sera dans le métier. Tout dépend ce que tu fais. Certains regards me font peur là. Surtout devant. Donc ça reste tentative, quel que soit le design pattern, cette architecture que ça peut. En fait, tout dépend ce que tu vas utiliser comme design pattern, où tu vas l'utiliser. Alors, il y a 24 design patterns, je les connais pas tous, hein, j'ai honte. Enfin, presque honte. Et, hein? Oui, le singleton, oui, tout le monde le connaît celui-là. Mince, je l'avais oublié, hein. Est-ce qu'il est compatible? Ben, en fait, indirectement, tu l'utilises ici, mais via l'injection de dépendance. En fait, je vais dire tout dépend de ce que tu mets en place au niveau de ton métier. Et selon, si ton code, tu as un design pattern qui correspond, qui te permet de résoudre un problème côté métier, et que ça doit être côté métier, tu l'utiliseras. Après, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Si c'est quelque chose d'un tout petit peu plus technique, je pense que ça ira forcément au niveau de l'adapteur. Ah bah, ah oui, heureusement. Ah bah. Ah bah, c'est tout à fait l'intérêt de la chose, c'est de pouvoir changer d'adapteur, hein, que ce soit côté driver, c'est-à-dire ce que tu alimentes, c'est-à-dire ce qui te drive, ou de ce qui t'alimente toi-même, c'est-à-dire repository et autres. Je me rappelle plus. Voilà. On en est à 32 minutes et 30 secondes. J'ai un tout petit peu dépassé les questions du récit. 7 minutes. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui. En fait, tu vas avoir ton domaine qui va appeler un adapteur qui sera en fait le driver de l'autre domaine. Question? C'est bon? Je sais que vous mourrez d'envie de coder là. Ça se sent. D'accord. Bon, là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on passe à la dernière partie. Donc, moi j'ai parlé pendant 33 minutes, vous allez bosser pendant à peu près 1 h 30, 2 h, ou vache. Ça fait mal. Voilà. Bon, j'espère que c'était clair, c'était intéressant, que je ne vous ai pas trop endormi, hein, parce que là, vous allez avoir besoin de réfléchir un tout petit peu. Alors, ça va se passer en deux temps. L'atelier commence par un kata, qui est assez simple, hein. C'est de faire en fait une petite application qui va permettre à une compagnie de vendre des voyages par rapport à leur destination. Donc vous pouvez me poser des questions, je pourrais rajouter des éléments à ce niveau-là. Voici plus ou moins les règles à respecter. Un voyage, c'est composé des frais d'agence et des frais de voyage, c'est-à-dire billets de train ou autre. On va faire très simple. Vous n'utilisez que des frais d'agence et en global des frais de voyage. Parce que là, c'est simple. Grosso modo, le but, c'est de faire une addition. J'ai pas trouvé plus simple, hein. Vous m'envoyez navré. Ensuite, les règles, c'est d'être test first. C'est une obligation. BDD de préférence. Et vous aurez besoin de moquer la base de données ou tout autre système, hein, qui va pouvoir vous donner l'ensemble des informations. Voilà. Au travail. Comment? Mais oui, mais vous n'allez pas vous mettre sur le master. Non, attends, et j'ai pas fini, hein. Le master, en fait, c'est vous avez tout dessus, vous pouvez vous amuser, c'est sympa. Maintenant, si vous faites un git branch -a, s'il vous plaît, je vais le faire en même temps que vous, hein. Voilà. Ah oui, il est là. D'accord, attends, je vais essayer de le refaire venir. Attends, c'est pas pratique comme ça. Attends, je vais essayer de me mettre en recopie vidéo. Hop là, merde. Est-ce que quelqu'un voit ma souris? En haut à gauche? Merci.
On y va. Ok, donc en principe, vous devez vous retrouver avec Kata with Gherkin, Kata Solution, Master. Donc je vous encourage à partir directement à Kata with Gherkin. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà tout au niveau du projet. Et là, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est vous faire votre DSL à partir du Gherkin. Et ensuite, de faire la glu au niveau de Cucumber. C'est jouable pour vous ou pas ? Alors, il est 19h53. On se laisse jusqu'à 20h30. Allez, c'est une addition, hein, faut pas non plus déconner. Hein. Maxime est là pour vous aider. Hein. Puis moi, je vais profiter du buffet. Si, si. Hein. À vous. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Hein.